juste derrière, Apicia. Il va nous attraper. Cours, Hugo. Vous êtes trop rapide pour moi. Allez, le sorcier, attrape-nous. Hey, ralentis, tu vas épuiser notre méchant. Ça, c'est ta tour. Elle est maléfique. Ça lui arrive d'être fatigué. Il faut que je retourne à mes études. Oh, fais un effort, le voyage a été très long aujourd'hui. Pitié, ma mère nous a dit de tout faire pour l'épuiser. Sois fort, sorcier. Le combat est loin d'être terminé. Votre mère va se demander où on est passé. La route a été longue. Tu as le droit de te dégourdir les jambes. Oui. Apicia ! Regarde ça. Un château. Bien. Allez, on court. Hugo, tu vas suer comme un bœuf. C'est moi qui suis comme un bœuf. C'est bon pour toi. Oh. J'adore ton nouveau chez toi. C'est un château. D'accord. Lucas le perfide attaque mon château. Oui. Et je vais te transformer en scarabée! Amicia! Il est trop fort! Il faut qu'on se cache! Oui. Je vais compter jusqu'à 10. Ensuite, je viendrai vous chercher, roi Hugo et... Amicia l'Amazone! Évidemment. Alors maintenant, filez! Viens, Amicia l'Amazone! On doit trouver une bonne cachette! Je serai à vos côtés, Majesté. Vite, vite! N'oubliez pas de respirer, mon roi. 9, 10. J'arrive. Il arrive. Bien, gardons-le à l'œil maintenant. Oui, on bougera s'il vient. Moi, Lucas, perfide parmi les perfides, je jure que je ferai un ragoût avec vos doigts de pied et que je le mangerai. Il est horrible. Vous n'avez aucune chance de m'échapper. Tu sais quoi? Nous aussi, on devrait le chasser. Ah oui. Vous êtes ici? Où pourriez-vous bien être? Divine. T'as eu une sacrée pousse. Bien, bien. Bon, je dois repartir étudier maintenant. Lucas. Écoute, si je veux devenir alchimiste... Mais tu es déjà un alchimiste. Je suis toujours l'apprenti de ta mère. D'accord, retourne à tes études. On va rester encore un peu. Bien, à plus tard. Viens, allons voir le reste de ce château. Comme vous voudrez, mon bon roi. Je suis content que Lucas soit resté. Moi aussi.
Sans lui, on ne serait pas ici. Le château, c'est de l'autre côté. Ouais, allons-y. Sur ces rochers. Vas-y. Mais ne tombe pas. Je tombe jamais. Oui, bien sûr. Le roi Hugo patrouille sur les remparts de sa forteresse. Et qu'est-ce que vous voyez de là-haut? Mon royaume. Est-il prospère? Il l'était, mais Lucas l'a attaqué. Ah oui, le sorcier maléfique. Oh, une rivière. C'est la mer. Patrouillons par là. C'est très joli. Alors? Mon royaume s'arrête ici. Cette branche, c'est la frontière? Oui. Pourquoi pas? Attention, Amicia, l'Amazone! Navire ennemi en vue! Ils vont nous attaquer! Oh non! Qu'allons-nous faire? Reste à la frontière et coule-les avant qu'ils passent. Retourne à ton poste, Amicia, derrière la branche. D'accord, ma puissante fronde est vôtre. L'armée du sorcier est en route. Je les vois, nous sauverons votre royaume, majesté. Un de moins. Oui, continue. Voilà d'autres bateaux. La magie noire ne souillera pas ce royaume. Que de la bonne magie. Oui, le roi applaudit. Qu'ils viennent, je les écraserai. L'envahisseur était en nombre. Mais nous l'avons repoussé. Parce que nous sommes la maison de Rune. Bonjour. Oh, bonjour. Bonjour. Je passe par ici et j'ai entendu ta fronde. Oh, c'est vrai que ça fait du bruit. Je voulais vous demander, je peux jouer avec vous? Oui, mais qui es-tu? Je m'appelle Tona. J'habite dans le coin. D'accord. Nous sommes Hugo et Amicia. Tu sais tirer, Tona? Évidemment que je sais. Chouette! Je suis le roi et elle, c'est ma capitaine. Et on se bat contre l'armée d'un sorcier. Moi, je tirerai avec le canon. Alors, engageons le combat. Boum! Wow! Vraiment très forte. Bien joué! Ils ne passeront pas, vous verrez. Forte. Mais ils arrivent encore. Et je continuerai à les couler. Nos défenses sont trop solides pour eux. Soldats Tonin, continuez à tirer avec le canon. Ouais. On leur botte les fesses. Leur vilaine fesse. Du calme, majesté. Vous commencez à parler comme un petit démon. C'est la guerre. Pas le moment de faire des manières. Donne-leur le coup de grâce, Tona. Attention, boulet de canon. Oh non, Hugo, à couvert. D'accord, c'est bon, les garçons, vous avez gagné, ils se rendent. Reddition acceptée. Faut que je vous laisse. J'ai du travail. Du travail? Oui, à la ferme de mon père, avec mes frères. Est-ce que tout va bien? Je dois y aller. Salut. Bon courage. Au revoir, Tona. Il était gentil. Allez, en route, majesté. La guerre est finie.
Suivons le cours de cette rivière. Tu en as coulé des tonnes! Bravo, capitaine! Étonnant, et t'es gentil. Oui, c'est vrai. J'aimerais bien avoir un copain comme lui. Je sais, mais on s'installera bientôt pour de bon et tu t'en feras des amis. Tu es sûre? Dès qu'on saura comment tu vas. Ça pourrait prendre longtemps. Pas cette fois. Cette fois, c'est différent, je le sais. J'espère. On va devoir grimper. Cette fois, c'est toi qui me hisse. Quoi? Je plaisante, je vais t'aider. Et puis ta barre, t'es trop lourde. Oh, comment oses-tu? Un jour, je pourrai le faire. Waouh, ce château est immense. Qu'en dites-vous? On l'attaque? D'accord, je suis prêt. Maintenant, chargez! Chargez! La porte est fermée, capitaine. On fait quoi? Laissez-moi voir. Ah! C'est fermé. Ils nous ont vu venir. Là, un passage secret. On va se faufiler. Oui, c'est un bon plan. Oh, je sens le mal tout autour de nous. Il fait un peu noir ici. Allez, mon roi. Ils ne s'attendent pas à ce qu'on entre en douce. Oui. Oh, les troupes du sorcier ne doivent pas être loin. C'est vrai? T'es fait mal? Non, mais je veux rentrer maintenant. Je suis d'accord. Ça suffit pour aujourd'hui. Oui. Amicia, il y a des habits et à manger. C'est habité. On a cassé leur plafond. Ils ont peut-être entendu. Soyons prudents pour l'instant. Tu sens ça? On dirait une cheminée. Oui. Quoi? Tout est brûlé. C'est récent. Ces paniers, ce sont des ruches. Mais pourquoi elles sont brûlées? Je ne sais pas. Pas un bruit. On s'en va. C'était peut-être un accident. Où sont les habitants? Par accident. Montrez-nous le chemin et on part. Mensonge. Je vous le jure. Je sais pas ce qui se passe ici, mais on n'a rien à voir avec tout ça. Mensonge. Vous êtes des voleurs. Je vais vous couper en morceaux. Cours. Revenez ici. On doit sortir d'ici. La porte. Oh, non, non. Viens. Vous êtes coincés. Là. Il vient du bas. Il nous suit toujours. Cherche un moyen de sortir. Par ici, il ne nous suivra pas. Vite! C'est pas vrai, hein? Voleur! Vous essayez de voler le bruit de la chaleur! Qui salopard! Baisse-toi, vite! Vous ne reviendrez plus, je le jure! Attrape-le! Ah! J'arrête! Pitié! Laissez-moi! Non! Non, pitié, non! Il aurait fallu y penser avant de nous voler avec ta bande! Chut! Non! Bon sang, Mathias! C'est comme ça qu'on s'occupe de ces gens-là. J'en ai manqué deux. Un garçon et une fille. Tu les as pas vus? Non. Cet homme par terre est le dernier qu'on ait eu. Bon, tue-les si tu les trouves. Il faut qu'on parte d'ici. Oui, vite. Ils sont fous. Quel gâchis. Tu vas faire quoi avec notre viande et notre miel maintenant, hein? T'es mort! Salmo a moché grand-père. Merde, non. Amicia.
Alicia, non, ta maison. Non, oh, c'est pas bon. Père devrait rentrer du marché dans pas longtemps. Ouais. Veille sur lui en attendant. On pourrait se cacher ici. Il nous trouverait. On doit continuer. Mais quel bon sang. Seigneur. Attention. Arrête de pleurnicher. Il y en a sûrement encore aux alentours. Va aider les autres. Je me sens pas bien, Mathias. J'en ai rien à foutre. C'est... Il bougera pas. Oublie ça. Charge. La boîte à outils. Ça va faire du bruit. C'est la dernière fois qu'il vient ici. Je te le dis. On n'a pas besoin de tous les tuer. Pauvre cinglé. J'avais juste besoin de boulot. Quoi encore? C'était une vraie, ça. On se dépêche. Les intrus, à l'attaque. Mais quel bon sang. Seigneur. Arrête de pleurnicher. Il y en a sûrement encore aux alentours. Va aider les autres. Je me sens pas bien, Mathias. J'en ai rien à foutre. C'est... Il bougera pas. Oublie ça. Cherche. C'était quoi ce foutu bruit? La boîte à outils. Ça va faire du bruit. C'est la dernière fois qu'il vient ici. Je te le dis. D'accord, j'ai des... Mais quel bon sang. Seigneur. Attention. Arrête de pleurnicher. Il y en a sûrement encore aux alentours. Va aider les autres. Je me sens pas bien, Mathias. J'en ai rien à foutre. C'est... Il bougera pas. Oublie ça. Charge. Monter la garde. C'est ta faute, tout ça. Il va falloir qu'on crève. En silence. Donna, ramène ton cul ici. Tout de suite. Je veux te démolir. Oh non, c'est la maison de Donna. Peut-être qu'il n'est pas encore rentré. J'espère. Je vais m'occuper de son cas avant que le père m'avance.
Y a rien de rien. Il doit se planquer quelque part. C'est quoi ce claquement? Vaut mieux aller voir. Oh, arrêtez-vous! Monte la garde ici. On se relaiera jusqu'à demain. D'accord! Il faut attendre cette porte. Je dois détourner son attention. Où est Tonin? Je veux m'occuper de son cas avant que le père s'en charge. Oh, il doit se planquer quelque part. La plus grosse erreur de notre père! Mais je vais arranger ça! Arrête! Hugo, reste derrière moi! Quoi? Vous êtes qui, vous? On s'est perdu, on s'en va. Mais laissez-le partir. T'entends ça, Rémi? T'es avec ces voleurs? Non, on vient d'arriver. Écoutez, c'est notre faute s'il était en retard. Vous avez rien à faire ici! Rémi, occupe-toi d'elle! Et me déçois pas, compris? Mais le garçon, il a le bon âge pour apprendre. Vous auriez pas dû venir. Tu risques de le regretter, crois-moi. Tu chacasses trop.
Amicia? Me fais pas de mal. Où on est? Non. Oh non, ça recommence. J'ai besoin d'aide. Attends. Attends-moi. Tu es tout seul ici? Où est Amicia? Non, t'en vas pas. Respire, respire. Où est-ce que tu vas? Je dois repartir. Je veux ma sœur et ma maman. Peut-être qu'il sait où elles sont. Oui, elles sont peut-être par ici. Je te réveille enfin. Tu as bien dormi? J'étais en plein rêve. Où est-ce qu'on est? Tu as encore rêvé de ton île? Oui, j'étais malade et un grand oiseau est venu. Il m'a sauvée. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Amicia? À la ferme? On jouait ensemble près de la rivière, tu te souviens? Mais tu t'es sentie très fatiguée tout à coup. Alors je t'ai portée sur le retour et tu t'es endormie. C'est peut-être juste un manque de sel dans ton sang. Mais, Amicia,
On a fait une longue route, Hugo. On est tous fatigués. Mais la ville rouge est proche. On te fera examiner là-bas. Et nous rencontrerons un grand alchimiste de l'ordre. Tu te rends compte? Ils connaissent très bien la Macula. Ils l'étudient depuis des siècles. Pourtant, personne n'est venu nous aider en Guyenne, avant qu'on prenne la fuite. Ils ignoraient que l'Inquisition s'en prendrait à nous. Ils sont prêts à nous accueillir maintenant. Eh bien, j'espère que ce sera un bon accueil. C'est certain. La Macula n'est pas seulement dans le sang d'Hugo. Ça concerne le monde entier. Et ça pourrait tout changer. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Soyons prudents. Voyons voir. Bonjour. Bonjour. Que se passe-t-il? On cherche une fille et un garçon. Qu'ont-ils fait exactement? Ils se sont introduits sur une propriété. Ça a mal tourné et ils ont tué des hommes. Le plus jeune frère a tout vu. Oh, c'est terrible. J'espère que vous trouverez les coupables. Je l'espère aussi. Il s'agit de mes neveux. R, il faut partir. Maintenant. Oui. Navré, mais nous avons une longue route à parcourir. Bonjour. Ce ne sera pas long. Le garçon! C'est eux! Viens là! Non! Non, attendez! Non! Amicia! Quoi? Attrapez-les! Ne la laissez pas filer! Tu calmes? Je sais que t'es quelque part par là! Montre-toi! Affronte! Oh, elle est restée dans le chariot! Avance! C'est juste là! Reste baissée! Ouvre l'œil! On devrait aller la chercher dans les champs! C'est ça! Partez loin! Attention! C'est une teigne! Elle pourrait être juste à côté de toi! On a de la compagnie! Faut fouiller partout! Le chariot! Ils ont besoin de toi! Hugo a besoin de toi! Faudrait essayer de leur couper la tête. On appellera un prêtre si besoin. Continue. Si tu meurs, il meurt. Ça peut être que... Oui.
Nous voilà enfin arrivés. Les gens sont gentils ici. Personne ne nous attaquera ici, Hugo. Cette ville est sous la protection du comte de Provence. C'est un seigneur très très puissant. En tout cas, c'est magnifique ici. Vous êtes vraiment sûr que l'alchimiste nous attend ? Eh bien, Magister Vaudin m'a dit qu'il allait préparer une maison pour nous. Une maison tout entière ? Oui. L'ordre est très ancien. Ils possèdent des maisons et beaucoup d'autres choses. Ils ont construit le laboratoire de ta mère, et même le château d'Ombrage, tu te souviens ? Oui. C'est gentil de nous donner une maison. C'est parce que tu es très important pour eux. Sa Majesté nous permet-elle d'entrer dans la ville à ses côtés ? Je le permets. C'est une foire. Va jeter un œil avec lui. Merci. La maison est située sur les hauteurs de la ville. Elle a une girouette en forme de phénix. C'est compris. Et sois prudente surtout. Alors, il y a quelque chose qui te plaît ? Je crois que tout me plaît ici. Bien. Il y a sûrement plein d'autres choses à voir. Quoi, on commence ? Eh bien, tu as envie de voir quoi ? Je veux tout voir ! On va essayer. Salut les cochons ! Yandroti ! Goûtez-moi ça ! Le comte Victor d'Arles vous souhaite la bienvenue à la foire annuelle de la Saint-Jean.
Découvrez les produits de notre région et d'ailleurs au marché. Achetez du poisson à la criée et testez nos jeux d'adresse. Première partie offerte. Demain a lieu la foire aux bestiaux tant attendue. Les enchères vont aller bon train. Bonne chance. Le comte Victor d'Arles vous souhaite une excellente foire de la Saint-Jean. Je devrais aller voir cet étal. Le stock commence à baisser. Tu as vu ? Quoi ? Les gens d'ici. Ils sourient. Ah, c'est vrai. Oh, regarde là-haut. La maison avec la girouette. C'est la nôtre. Oh, juste au-dessus du marché. Ouais, la vue va être superbe. Brosse et peigne de Florence. Essayez donc. Madame, et si vous changiez de coiffure ? Non, merci. Elle me plaît bien comme ça. Oh, tant mieux. La chevelure d'une dame est un précieux trésor. C'est bien dit, oui. Tes cheveux sont très bien comme ça. Mille merci, monsieur. Ouais, tu peux l'avoir. Oh, ce vin. Un cadeau pour votre père, peut-être ? Non, il est mort. Mais il aimait ce vin. Venu de l'Est. Alors c'était Hermine, quelqu'un de bien. Bison. Oui, en effet. Merci. Tous les meubles sont vraiment magnifiques ici. Et j'avais une armoire comme ça dans ma chambre. J'aimais me cacher dedans. C'est vrai, oui. Regarde, des fleurs. Herbes aromatiques, baumes, onguents. Oh, des soucis, des primes verts. Oh, tu connais ton herbier, toi? Je connais que les fleurs. Ma maman m'a appris. On les garde dans un livre à la maison. Veux-tu en acheter dans ce cas? Merci, mais nous aimons les cueillir dans la nature. Vieille habitude. Je comprends. Au revoir. Oui, viens. Allons voir le reste. D'accord. Poisson frais de Corse. Pêché ce matin. Lutte. Premier choix. Ses parents doivent être des dragons. Un homme dragon. Exactement. Je parie que Lucas pourrait cracher du feu. Allons voir notre maison. Ça devrait être un peu plus haut. Dis, on peut partager ma chambre si tu veux. Tu n'en veux pas une à toi ? Je sais pas. Mais comme ça, on pourrait s'inviter dans nos chambres. Oui, j'adore cet endroit. Moi aussi. Oh, il joue de la musique. Oh, je vois rien. J'ai une idée. Tu vas monter sur mes épaules, d'accord ? Ah oui, s'il te plaît. C'est parti. Tout va comme tu veux, là-haut ? Oui, je peux tout voir. J'aime beaucoup. Ils sont très forts. Assez, jeune homme. Il est temps d'aller voir cette maison. Oh non, déjà ? Oui, mère doit sûrement s'impatienter. J'aurais voulu rester encore un peu. On viendra. Les gens d'ici, c'est comme s'ils ne savaient pas pour les mauvaises choses. Les mauvaises choses ? Oui, tout ce qui se passe dehors. Je pense qu'ils savent, mais ils se sentent en sécurité ici. Toi aussi, tu verras. Bon, je vais te reposer un moment. Il faut qu'on se dépêche un peu. Oui, j'ai hâte de voir la maison. Je me demande si elle est grande. Moi, j'espère qu'on a des vrais lits. J'espère qu'on voit le marché depuis ma chambre. Une chambre de roi, bien sûr. Bien sûr. Quelqu'un est fatigué. Hé, vous êtes là.
Comment c'était? Ils ont tout ici. C'est vrai. Il faudra qu'on y retourne ensemble. Bien sûr. On a besoin d'herbes fraîches. Regardez. Je crois qu'on peut appeler ça chez nous. Oui. Chez nous. Je n'ai pas dit ces mots depuis un bout de temps. Je suis content qu'on soit venu. Je crois que quelqu'un a besoin d'une sieste. Je suis pas fatiguée. Bien sûr. Rentrons voir l'intérieur. C'est notre porte. Oh, ça a l'air calme. Et il fait moins chaud ici. C'est beau. Vous êtes prêts à entrer? Ouais, passe devant. On y est, Hugo. Notre nouveau chez nous. Viens, allons jeter un coup d'œil. Oui. D'accord. On verra plus tard. Mère, où est la chambre d'Hugo? Il est épuisé. En haut. Le lit est prêt. Merci. Allez, viens, mon petit Loire. Tu dois venir, Amicia. Venir où? Sur l'île. Tu seras guérie aussi. Guérie? Oui, ce serait bien, c'est vrai. Vraiment bien. Tu réfléchis trop. Parfois, il faut simplement se fier à son intuition. Je sais, mais... j'ai du mal à comprendre la logique. La matière obéit aux lois de la nature. Et la macula aussi. Oublie la logique, Lucas. Sois simplement humain. Peut-être que je ne suis pas doué pour être humain. Mais si. C'est même pour ça que tu doutes. Amicia! Il a fait un cauchemar? La macula. C'est le choc. Ce qui s'est passé aujourd'hui a dû la réveiller. Nous avons eu 6 mois de répit après le deuxième seuil. Mais l'équilibre de son sang est très fragile. Amicia, pars avec Lucas. Magister Vaudin est quelque part en ville. Trouvez-le et dites-lui de venir dès que possible. Tout de suite. Amicia! Je sais. Nous serons prudents. C'est à cause de ces fermiers. J'aurais jamais dû... Non! Oh ! Ce n'est pas de ta faute. Comment tu peux en être si sûr? Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe dans son sang. La macula évolue. Elle fait passer le porteur par différents seuils. Et ce magister Vaudin, il peut vraiment l'aider? L'ordre étudie la macula depuis des siècles. Si eux ne le peuvent pas, je ne sais pas qui le pourra. Seigneur, protégez-le.